Aoudima. Mohamed Ali et Richard Durham, le plus grand. Gallimard. Mohamed Ali et Richard Durham, le plus grand. Traduit de l'anglais par Maurice Rambeau et France-Marie Watkins. NRF. Gallimard. À Cassius Marcellus Clay Senior et à Odessa Clay, Cash and Bird, avec mon amour. Titre original, The Greatest, My Own Story. Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tous les pays. Copyright Mohamed Ali, Herbert Mohamed, Richard Durham, 1975. Copyright édition Gallimard, 1976 pour la traduction française. Shorty regarde. Louisville, 160 km. Il pleut et j'ai bien failli ne pas voir le panneau. On n'y arrivera jamais avant le jour, dit Harold Hazard, mon chauffeur. Il y a trop longtemps qu'il est au volant et il commence à avoir du mal à se concentrer. Si c'est moi qui conduis, on y arrivera. À partir d'ici, je connais la route comme ma poche. Quand je prends le volant, Harold rejoint le reste de mon équipe au fond du minibus. Belinda et ma fille Mariam sont elles aussi derrière. Elles dorment à point fermé. Il n'y a pas pire que de rentrer au pays quand on a ramassé une raclée. M'a un jour mis en garde Chris Dundee. Faut que tout le monde continue à se souvenir de toi comme d'un vainqueur. Ne rentre jamais au pays après une défaite. Jusqu'à présent, quand je rentrais chez moi, j'étais toujours le chasseur victorieux qui revient de la jungle, chargé de gros gibier. Deux trophées des Golden Gloves, plusieurs titres de l'AAU, une médaille d'or olympique, le titre mondial des poids lourds. Même à l'époque où j'étais en exil et interdit sur le ring, j'étais resté l'invaincu. Nous sommes maintenant au printemps de 1973 et, cette fois, je rentre après une défaite dont hommes, femmes et enfants, tous dans ma ville natale, ont été témoins ou ont entendu parler. Comme d'ailleurs tous les gens aux quatre coins du monde. Pas de risque que je l'oublie, avec les manchettes qui vont remplir les pages sportives des journaux. Mohamed est fini. Fin d'une époque. Ali vaincu par un tocard. Bouclé la grande gueule. Le combat le plus palpitant de l'histoire de la boxe. Je veux rentrer chez moi, pour me reposer. Pour revoir Bird et mon père et de vieux amis. Pour faire le point. Pour me rappeler qui je suis, d'où je viens et où je veux aller. C'est là-bas que je suis né, que j'ai été élevé et que j'ai passé les 21 premières années de ma vie. Il faut que je sache si c'est vraiment chez moi. L'endroit où l'on peut se réfugier quand on s'est fait rosser. Cette fois, la pluie tombe à seaux et je ralentis pour mieux voir la route. Les kilomètres défilent tandis que je fouille l'obscurité des yeux. Mais en même temps, je n'arrête pas de repasser la même scène dans mon esprit, comme une séquence de film. Le Sport Arena de San Diego. Le dernier round est fini, je suis debout dans mon coin. L'arbitre ramasse le vote des juges. Il les lit et proclame le résultat. Me jette un coup d'œil rapide puis se tourne vers Norton. Vainqueur de justesse au point, Ken Norton. Le stade explose. Des cris et des hurlements frénétiques jaillissent des gradins. Quelques huées saluent le verdict, vite noyés par les clameurs et les cris de Norton, Norton. On t'a rossé, mon salaud. Mon regard se pose sur un blanc, un costaud, qui vient de bondir de son fauteuil et braille dans ma direction en brandissant un journal. On t'a eu, on t'a eu. Des policiers sautent sur le ring, mais la foule rompt le cordon. Les gens se faufilent sous les cordes et envahissent le plateau. Joe Frazier donne l'accolade à Norton, qui est son camarade d'écurie et son sparring partner. Un commentateur de la radio me hurle d'approcher du micro. Rien que quelques mots pour expliquer ce qui s'est passé. Mais déjà Angelo et Bundini m'entraînent. Je sens le goût du sang qui coule dans ma gorge. Ma figure et mes épaules me font de plus en plus mal. Je sais où Belinda est placée et je me souviens que je me suis arrêté et que j'ai cherché à l'apercevoir. Je veux lui faire signe. Lui faire comprendre que tout va bien. Mais les agents ont de plus en plus de peine à contenir la foule et on me pousse vers le vestiaire. Qui c'est le plus joli maintenant? Qui c'est le plus joli maintenant? Une grappe de femmes blanches trépigne et hurle à plein poumon. La police les fait circuler. J'ai l'impression que ma tête va se décrocher. La douleur qui me mord le côté gauche de la mâchoire est presque intolérable. Un type en uniforme de pompier force le cordon de police. T'es fini, grande gueule, t'es fini. Les agents se déploient pour m'ouvrir un passage. Forçant la foule à refluer afin de nous permettre de sortir de la salle et de rejoindre le couloir. Les braillards suivent. Ils continuent à hurler, à chanter en cadence, à huer, tandis que les ouvreurs s'efforcent de dégager la porte du vestiaire. Finalement, elle s'ouvre de l'intérieur et nous nous faufilons un par un. Herbert Mohamed, mon manager, Bundini, mon entraîneur en second, le docteur Pacheco, mon médecin personnel, le capitaine Joseph Youssouf du temple numéro 7, dont j'ai fait la connaissance le jour même où j'ai rejoint le peuple de l'islam, Angelo Dundee, mon entraîneur, Eugene Kilroy et Hassan Salami, mes soigneurs. Howard Bingham, mon photographe. Dick Durham, mon secrétaire. Richard Barrett, un de mes amis. Pat Patterson, garde du corps. Walter Youngblood, aide-entraîneur.
Même lorsque nous sommes tous entrés, les autres s'obstinent à entrebâiller la porte pour être bien sûr que je peux les entendre. Qui c'est le plus grand maintenant? Qui c'est le plus grand maintenant? On réussit enfin à refermer la porte et Angelo s'y adosse, épuisé. Il n'arrive pas à croire à la haine et à la fureur qui marquent toutes ses voix. Sauvage, c'est tout ce qu'il peut dire. Kilroy ramasse le peignoir qui a glissé de mes épaules, celui dont le dos proclame le champion du peuple. Un cadeau d'Elvis Presley qu'il a fait faire exprès pour moi à l'occasion de mon combat contre Joe Buckner. Il s'approche et me noue une serviette sous le menton et autour de la tête pour soulager ma mâchoire. Ici, Norton est chez lui. Ils sont tous pour Norton, dit quelqu'un. C'est pareil pour toi à Louisville, Ali. C'est pas autre chose qu'une réaction chauvine en faveur d'un gars du pays. Mais je sais que ses visages, ses voix, là, de l'autre côté de la porte, sont autre chose qu'une simple réaction chauvine. C'est avant tout la réaction de l'Amérique blanche. Quel que soit mon adversaire, je suis habitué à ce que la moitié de la salle accourt dans l'espoir de me voir ramasser une raclée. Il y a longtemps que je les frustre de cette journée, et maintenant qu'elle est arrivée, ils en tirent le maximum. Ils n'ont pas eu tellement d'occasion de pavoiser depuis le jour où Frazier m'a envoyé au tapis d'un uppercut du gauche au Madison Square Garden. Et ma défaite d'aujourd'hui leur paraît beaucoup plus douce, parce que cette fois, je n'ai pas été battu par Frazier ni Foreman, des monstres de classe internationale, mais par un gars du pays. Quand ils se battent contre toi, ce ne sont plus des gars du pays. J'entends encore Herbert me dire ça, quand on s'était retrouvé pour faire le point juste avant le combat. Tu as 32 ans, c'est vieux pour un boxeur. Et maintenant, tu te mesures à des adversaires plus coriaces et plus vaches que ceux que tu as rencontrés quand tu étais jeune. S'ils battent la grande gueule que le monde entier a entendu brailler « Je suis le plus grand boxeur de tous les temps », c'est pour eux l'occasion de décrocher d'emblée la gloire et la fortune. Tous les boxeurs que tu rencontres montent gonflés à bloc sur le ring. Ce sont tes vantardises qui les gonflent. Ils se battent plus dur contre toi que contre tout autre adversaire. Sinon, ils auraient honte, et ça, c'est à cause de toi. Toujours avant un combat, Herbert et moi nous isolons dans un coin tranquille. Nous rendons grâce à Allah et faisons une dernière fois le point de ce qui m'attend. Tu as tout fait pour bousiller ta forme, m'avait-il reproché à propos de ce combat. Je m'étais dit à ce moment-là qu'il avait envie de faire ajourner le match. Je l'avais rassuré, Norton, je l'attends, tu verras. Je ne voulais pas d'un ajournement. Je me suis assis sur la table de massage. Je regarde les visages qui m'entourent, les gens qui entrent et sortent sans bruit. Et j'ai l'impression de me trouver dans un lieu inconnu, puis je comprends pourquoi il m'est inconnu. Ce n'est pas le vestiaire du vainqueur, c'est celui du vaincu. Jusqu'à présent, je ne m'y suis jamais trouvé qu'une seule fois. Dans le vestiaire du vaincu, personne ne sait jamais quoi dire. Pourquoi ai-je perdu? Je repense à ce moment du deuxième round où Norton a réussi à percer ma défense et m'a sonné d'un uppercut du gauche à la mâchoire. Je sais très précisément quand le coup m'a cueilli. J'ai senti un choc et un brusque jet de sang dans ma gorge. Après, quand je regagne mon coin, je demande à Bundini et Angelo « Comment on peut savoir si on a la mâchoire fracturée ?» Si tu l'ouvres comme ça, Bundini fait la démonstration, et que ça claque, c'est qu'elle est fracturée. J'ouvre la mâchoire, et ça claque. Une douleur aiguë me mord tout le tour de la figure. Le sang me coule dans la gorge, je crache dans le seau et me rince la bouche, mais le sang continue à sourdre. Si elle est fracturée, dit Bundini, faut que nous arrêtions le combat. Mais il sait que je refuserai d'arrêter. Il reste encore 13 reprises, et je peux gagner. Je jette un coup d'œil vers l'autre bout du ring. Joe Frazier et Art Seymour sont là, qui me regardent, perplexes. Ils sont là pour conseiller Norton. J'aimerais bien les voir partir déçus. Juste avant le coup de gong, Bundini me chuchote quelques mots à l'oreille. Shorty est dans le salon, il te regarde. Shorty est assis là-bas, les jambes croisées, et il te regarde. Surtout, n'oublie pas. Shorty, c'est le nom que Bundini donne à Dieu. Et pendant tout le temps que je me démène pour en finir avec Norton, avant qu'un autre coup m'écrase la mâchoire, Bundini n'arrête pas de hurler. Shorty te regarde dans le salon, il te regarde à la télé dans le salon, il te regarde. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive.